Bonjour, dans cette vidéo, on va vous parler de la surveillance par bandelette urinaire. On va chercher la glucoserie et l'acétonurie. La glucoserie, elle va être cherchée si la glycémie est supérieure à 1,8 g par litre. Dans ce cas-là, le glucose va passer au niveau urinaire. On va chercher l'acétonurie si la glycémie est supérieure à 2,5 g par litre. Ensuite, on va noter les résultats dans un carnet de surveillance. C'est un geste qui est simple et rapide à faire. Le matériel nécessaire, un flacon contenant des urines fraîches, les bandelettes urinaires, un chronomètre et là on va jeter la bandelette utilisée. Pour garantir des résultats fiables, il faut vérifier à chaque utilisation la date de préemption du flacon à bandelette et la date d'utilisation de ce flacon-là. Date de début d'utilisation doit être moins de 1 mois. On doit faire sortir la bandelette urinaire au dernier moment, juste avant l'utilisation, bien fermer la boîte après utilisation, mettre la bandelette dans les urines fraîches, faire secouer doucement pour éliminer l'excès en urine. On va faire la lecture de la glucoserie après 30 secondes et de l'acétonurie après 40 secondes. Pour notre patient, 0 acétone et 0 glucoserie.